Hey, salut tout le monde et bienvenue pour ce Reel of Solo. Eh oui, mon petit Pierre, il est pas là, il est en vacances celui-là. Moi je recorde de mon côté tout simplement parce que j'avais envie de faire du Reel. Et en même temps de justement un petit peu continuer ce qu'on avait à faire. C'est moi, le serveur lag un peu, je ne sais pas. Mais bon, tant pis. Je crois que oui, effectivement, ça lag un peu. Je sais pas pourquoi, j'ai des pics par moment, des pics de com. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, lors de la dernière épisode, on s'était quitté un petit peu sur tout. Et moi, de mon côté, j'avais fait en fait un système de buildcraft complètement compétent. Et sauf qu'au niveau de la vidéo, il y avait de la saturation où quasiment toutes comment, tout le son n'apparaissait pas. Oh putain, je viens d'avoir un de ces cœurs d'un coup. Voilà un petit peu l'installation que j'ai faite. Donc j'ai repris un petit peu l'installation justement que j'avais fait dernièrement avec de l'Redstone, ce genre de choses. Sauf que là j'ai mis 4 machines, 4 là. J'ai mis une base heatgate qui fait que si le réseau il est inférieur à 25%, alors il coupe la connexion. Une put-only, voilà, une put-only en fait plutôt. Voilà, et s'il est supérieur à 50%, d'ailleurs je comprends pas pourquoi en fait ça fonctionne comme ça. Flux traverse, input-only, pipe-npi. Ouais, je comprends pas pourquoi. Comment je pourrais le récupérer ça par contre? Tank full. Close. Voilà. Si ça c'est plein, alors ça coupe. Si le tank est vide, input seulement. Ah voilà, j'ai eu un peu de mal. Donc du coup, tout simplement, là il y aura le fluide. Donc ça veut dire le fluide, c'est une fois que le pétrole est raffiné, c'est du gasoil, on va dire, du fuel qui rentre là-dedans, qui va dans les moteurs. Ici, du coup, ça va alimenter ces moteurs-là, ça va créer de l'énergie. L'énergie fait créer la bombe qui envoie de l'eau dans les machines. Voilà, il y a toujours un quota supérieur. Et tout l'excédent d'énergie vont dans les raffineries qui sont naturellement en train de pomper tout ça. Alors j'ai oublié de refaire d'autres pipes. J'en ai plus d'ailleurs. Ouais, j'en ai plus. Tant pis. Parce que ça permet de pomper tout ça, faire raffiner, repompe l'autre côté. Soit c'est un excédent là-dedans et du coup ça va ici. Soit c'est vide directement là, ça se remplit une partie là et ça repart l'autre côté. Je préfère les fuites d'UG de Underio. Cependant, pour l'instant, on va rester sur du buildcraft. On a le mode mechanism, bien sûr. Le mode mechanism viendra juste après remplacer tout ça. Évidemment, il faut toujours que je baille quand je fais une vidéo. Oh putain, ça m'énerve. Du coup, on va poser ça temporairement. Tac, ça on s'en fout, ça je vais le garder, ça je garde, ça je garde, ça je garde. Ça je garde beaucoup, je voudrais juste voir un truc. Apocalypse, craft, c'est cool. Ah, putain, c'est l'ancienne version, c'est chiant. Ok, artifice, ouais. Alchimie, ok. On a ça, witchering et Tomic Essentia. Ah, on n'a pas l'autre. Moi, ouais, je pensais qu'on avait Tomic Tinkerer. Ça m'aurait pas déplu. Pour avoir l'armée de Camille, surtout. Enfin, bref. Du coup, hop. On va augmenter un petit peu nos graines. Donc là, c'est l'épisode un petit peu tranquillou. Hein, vraiment, on dirait tranquillou. Parce que je vais pas avancer des quêtes. Nether Diamond, Botania, ouais, c'est cool. Du coup, comme ça, c'est augmenté. Il va me falloir du bois. Est-ce qu'il a pris la Lumber Axe par contre? Je suppose qu'il a pris la Lumber Axe et du coup, je me retrouve un peu comme un con en fait.
Rutile, non. Ça lagouille pas un moment. Hein. Osmium, je voudrais bien en fait du magnium. Magnium, magnium. Tac. Bon, on va récolter les graines, hein. Hop. Voilà, 23. Ça, c'est du lapis. Fuck. Water. Water building. Ici, c'est du cobalt. Ouais. Hop. En fait, on va faire en sorte que on va vraiment upgrader toutes les graines pour qu'elles soient à 100%. Alors, ça va prendre beaucoup de temps. C'est pour ça que je risque de faire sans doute des ellipses. Parce que c'est très long à les upgrader. Surtout quand on n'a pas l'arrosoir. Putain, ça en fait que deux, putain. C'est un peu radin, hein. Ça en fait deux aussi. Effectivement, c'est un peu radin. Oh, bah, je suis con. J'ai juste un bloc de magnésium. Ah, j'en ai 10. Hop. Bah on va faire ça. Hein. Voilà, donc du coup ça va se cuire. Moi je vais faire du coup ma lumber axe parce que j'aurai besoin de bois. C'est pour ça que j'ai besoin de bois. Donc ça c'est en train de cuire. Là-dedans il reste quoi? Ouais. Il y a assez de lave. D'ailleurs je pourrais en remettre juste un. Voilà, juste un bridou. Bah il me faut un peu de bois, donc on va péter le bois qu'on a là. Ça nous servira toujours. Je crois que c'est le cerveau en fait qui lague un peu. Tac. Voilà, là ça en fait 32, c'est parfait. La surnette, j'en ai plus besoin. Le birch, je vais le péter parce que ça fait du bois. Tuc. Oui. 6 bûches, c'est parfait. Voilà, 64 plus 16, ça suffit pour l'instant. Oh putain, qu'est-ce que c'est chiant ça. Tac, tac, tac. Il faut de ça là. Il me faut l'analyseur que j'ai foutu quelque part. On a même là encore là, c'est parfait. L'analyseur. Ah bah non, je suis con, il est là. Hop. Voilà, nous avons l'analyseur. Alors, osmium, c'est bien beau, ça. On va commencer à faire le cobalt. Donc je vais foutre le journal tranquillement. Je vais péter toutes les graines. Oui! Voilà. Je voudrais bien savoir si dans Extra Utility. Alors, comment ça marche? Extra U. Extra. C'est Extra Utility ou c'est Open Block? Extra. Ça doit être Open Block. Non, c'est pas Open Block. C'est quoi l'arrosoir? Je m'en rappelle pas. L'arrosoir. Je ne sais pas si en fait on l'a l'arrosoir là. Si on l'a pas, ça va être un petit peu dommage. Parce que ça me permettrait d'avoir une accélération de minerai. Bah plutôt de pousse de plantes en fait. Ça pourrait être sympa. Après, il y a du Botania. Je ne sais plus si dans Botania, il y a une fleur qui permet d'accélérer la pousse. Je pense que oui. Ça serait quand même con. Tout ça, c'est Botania de toute façon. Ça, c'est Botania. Botadi. On n'a toujours pas, on n'a pas ça, ça extra le tri, on s'en fout complètement.
Ça, c'est Forbidden Magic, ça, c'est super cool. Avec toutes les One Caps qui vont avec. Forestry avec toutes The Big Abeille. Sans doute qu'on devra y faire d'ailleurs. Oh, Vice Princess. Elles produisent quoi les Vice Princess? Ah oui, très bien. Memory Kong qui doit être de l'eau. Ah non, qui est intelligent drop. Ok, ça fait des bottles d'XP. Très bien. Des pure princess. What the fuck? Ah d'accord, du memory, très bien. Du coup, nous n'avons pas justement ce qu'il faut encore. C'est un petit peu gênant. Alors, toutes les génétiques d'abeilles, ça a tellement changé, c'est tellement compliqué. Nous avons pas ça. C'est Gravestone. Là-dedans, on n'a toujours pas. On n'a toujours pas. Je suis en train de me demander en fait si on l'a vraiment. Mariculture. C'est très chiant, mariculture. Mécanisme qu'on reprendra juste après. Hein, de toute façon, on va commencer les énergies faciles. On va dire ça comme ça. Hein. Il faut de l'osmium en fait. Donc c'est pas trop un problème. Drycraft, on ne l'a pas dedans. Je me demande vraiment si je l'ai en fait. Hein. Tomcraft, avec tout ce qui va avec, on va bien s'éclater. Surtout avec Pierre en fait. Ouais. Tout ce qui est Applied. Applied, je voudrais bien quand même le faire parce que c'est important pour nous au niveau des coffres. Bon, en fait, on n'a pas de Surtus Quartz donc on est un peu dans la merde. Et ça, c'est tout. Et ça, c'est une partie Tomcraft avec Magical Crops. Ça, c'était Witchery. Et Witchery. Bon, bah, on l'a pas, les gens. On l'a pas. On va devoir attendre manuellement, en fait. Ça va être un petit peu chiant, mais on va faire en sorte que ça aille bien. Alors, on va du coup scanner les cocottes. Et on va foutre ceci là pour les jeter dedans. Alors, 2, 1, 1. Merde. Bah, je commence déjà bien, moi. Pouf! Alors, 4, 3, 2. Alors, je vais scanner toutes les plantes et on se retrouve juste après. Oh! Bon, re les gens! Donc, alors, j'ai upgradé l'osmium. Donc, normalement, ça doit être des graines quasiment 10-10 à la fin. En tout cas, j'espère. J'ai augmenté le cobalt. J'ai augmenté également. Le cinnabar, parce qu'on en aura besoin pour Tomcraft. J'ai augmenté l'ardite, et du coup l'umber avec. Les shards également. Les baies, je pense pas les augmenter, ça sert trop à rien. Les diamants, je devrais peut-être les augmenter encore. Ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Cobalt, du coup, et les air shards, en fait, je pensais que c'était justement ceux-là. Mais du coup, je les ai fait quand même. Par la même occasion, j'ai augmenté aussi le coal. Le coal est en cours d'augmentation tranquillement. L'obsidienne, je vais pas le faire. Le netherwatt non plus. Earth, underpearl, XP, et copper non plus. Parce qu'on a tout ce qu'il faut en copper. Et j'ai ramassé aussi tout le redwood. Parce que je suis en train de le couper à la lumber. J'en ai refait une pour moi. Du coup, bah, c'est en train de dépoper tout court. Et aussi, ça m'avait créé un superflu dans ça parce qu'il y avait justement des pousses qui ont tombé. Donc, du coup, c'était pas vraiment très cool. Du coup, je peux poser comme ceci. Puis en plus, le serveur en fait il lag. Raté. Oui! Cassé! Donc, voilà un petit peu ce que j'ai fait. Voilà. C'était juste une petite vidéo tranquillou. J'espère en tout cas ça vous plaît. Moi je vais un petit peu continuer en off et puis je vais faire autre chose également qui permettra de bien continuer dans les quêtes. J'ai tout rassemblé ici tranquillement. Voilà. Sur ce, je vous laisse. D'ailleurs, pourquoi? Ah bah oui.
Pourquoi ça pas des pop? C'est tout simplement qu'il restait deux bouches dedans. Deux bûches, pas deux bouches. Donc, tranquillou. En plus, je crois que c'est des armes à pommes les autres, mais je suis pas sûr. Ça m'étonnerait. Allez, sur ce, bisous tout le monde et à la prochaine.